aujourd'hui avec Monsieur Robert Nouzaret. Déjà, Robert, merci de nous recevoir dans votre bureau. C'est pas mon bureau, je squatte le bureau du directeur du centre. On est tous les trois, Bruno Martini, Henri Stangoulier et moi. Mais comme lui, il passe plus de temps sur le terrain que moi, ça va. Enfin, merci à vous en tout cas. Et j'ai étudié mon petit Robert Nouzaret illustré avant de venir. Il y a une chose qui m'a frappé. Vous êtes né à Marseille. Ouais. Mais de toute votre carrière, que ce soit de joueur ou de dirigeant, vous n'avez jamais entraîné ou fait partie du staff olympique. Vous avez eu des contacts déjà? J'ai failli une fois, quand Bernard Bossier était directeur sportif. Puis ça n'a pas marché, donc je suis passé à autre chose, mais c'est vrai. C'est pas quelque chose qui vous manque, un petit goût d'inachevé par rapport à ça? Bon, avoir goûté Marseille une fois dans sa vie, oui, quand on connaît ce que c'est, mais je sais pas si... je suis parti il y a 7 ans quand même, hein, à l'âge de 7 ans, donc j'ai pas la même philosophie que si j'avais vécu là-bas tout le temps, quoi. Mon père avec ça, parce qu'il a vécu tout le temps, hein. Mais l'obligation de partir à Lyon pour travailler fait que bon, je suis passé à autre chose, et quand j'ai eu l'occasion d'y aller, c'était pas pour moi quelque chose, une obsession, quoi. Même si j'apprécie ce qui se passe là-bas, et je suis, surtout quand il y a des gens qui ont travaillé avec moi, comme Rudy, quoi, voilà, c'est... Vous, comme vous le dites, vous êtes parti assez jeune à Lyon, et la suite logique, vous avez débuté en professionnel. J'ai fait tout à Lyon, de l'école de foot jusqu'au pont. Et c'est à cette période, je crois, tout jeune, que vous avez fait la connaissance de Louis Nicolet, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous pouvez nous expliquer quand j'ai commencé à jouer en pro, lui il était au cours Pascal, un cours privé dans Lyon. Ouais. Moi j'allais à la Martinière et on jouait en scolaire l'un contre l'autre. En parenthèse, qu'est-ce qu'il mettait comme coup? Et puis on s'est connus. Mais parce qu'on avait un ami commun qui jouait avec moi à l'OL. Et l'ami commun était au cours Pascal avec lui. Donc voilà. On s'est connu dans cette période-là. Et on a fait une finale de la Coupe de France en 67 et il était parmi les supporters. Je ne le savais même pas. C'est après que j'ai vu des photos. La photo qui tient la pancarte. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai trouvé une photo que je diffuserai dans l'interview. Vous serrez la main au général de Gaulle. Ah ouais. Ça vous fait quelque chose? Sur le moment, déjà, ça vous fait quelque chose? Ou... Serrer la main au général de Gaulle. Et le soir, à Paris, il y avait un journal qui paraissait le soir même. Ça s'appelait Le Soir, je crois, un truc comme ça. Et je vois, je le prends, pauvre, en première page, je vois De Gaulle en train de me serrer la main. Ah, oh, putain, j'avais des frissons. Ouais, c'était particulier, ça. Et vous gagnez cette fameuse Coupe de France 67. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est le seul titre que vous avez en tant que joueur? Ou vous en avez d'autres? Ouais, moi, je n'ai pas beaucoup de titres en tant que joueur. La Coupe, c'est bon. Hein. Après Lyon, vous partez où? Après Lyon, je pars à Bordeaux. Pas une bonne expérience lorsque je suis arrivé blessé, donc j'ai eu du mal à m'imposer, donc je suis parti au bout d'un an. De toute façon, moi j'étais pas un technicien, hein. J'étais un bon bourrin, hein. Mais comme à cette époque là les entraîneurs utilisaient beaucoup le marquage individuel, ça m'allait à merveille. Moi, on me disait respect des consignes et tout, il n'y avait aucun problème. Et c'est pour ça. Bon, alors je suis à Lyon, après je suis venu ici à Montpellier. En 70. Montpellier Littoral, où c'était bien, sauf que c'est un club qui manquait de moyens, quoi. Voilà. Mais autrement, j'aimais bien cette ambiance du stade du Pont Juvenal, comparé à comment il s'appelait l'autre, là, le stade neuf, là. Oh punaise, c'était un cimetière, ce truc. Mais à cette époque, Montpellier était en DH, hein? Non, D2. Ah, c'était déjà en D2. Ah ouais, D2. D'accord. D2, j'ai fait donc un an. Après, il a failli avoir un dépôt de bilan, il n'a pas eu lieu. J'avais signé à Châteauroux, mais comme le dépôt de bilan n'a pas eu lieu, j'ai été obligé de rester une année de plus à Montpellier. Ça ne m'a pas dérangé, parce que, hormis le fait des moyens, il y avait un environnement qui était agréable. Après Guignon. Après, je vais à Guignon. Ben là, j'avais pris la décision de coupler et de continuer à jouer et prendre du plaisir, mais de commencer à préparer mes diplômes d'entraîneur. Et c'était le contexte, pour moi, le contexte idéal. Je suis passé dans un,
à l'époque, on pourrait appeler ça un grand club corporatif, et qui à l'époque était beaucoup mieux organisé que la plupart des clubs pro de Ligue 1. C'était vraiment, je crois que Gagnon, c'est un des clubs qui a le plus d'ancienneté en Ligue 2. Je sais pas, mais c'était vraiment... Et bon, après, il faut s'adapter dans ce genre de ville. Hein. Il n'y a pas de ciné, il n'y a que dalle. C'est ce que j'allais vous dire, ouais, vous, le méridional, les grandes villes. Moi, c'était tout. Surtout pour mon épouse. En plus, j'ai eu ma fille qui est née là-bas, à côté, là, par Edmonial. Moi, j'étais occupé de la journée, puis je suis passé vraiment à un emploi du temps complètement différent. Quand vous êtes joueur, vous entraînez 2 heures par jour et basta, vous rentrez à la maison. Parce que là, le matin, avec un ancien joueur de l'OL, Georges Bernard, on faisait la formation des jeunes du centre des Forges de Gagnon, pas du club, ça n'existait pas. Donc on faisait faire du sport et tout. L'après-midi, je m'entraînais avec l'équipe première et le soir, je m'occupais d'une équipe de jeunes. Donc j'avais vraiment un calendrier chargé. Donc je voyais pas tout ce qui pouvait manquer. Dans une petite ville comme ça, je veux combien il y avait 7-8 000 habitants. Quoi, ah, vous étiez obnubilé par le ballon déjà. Voilà, j'étais. Bon, et puis. Et donc j'ai fait combien? J'ai fait 2 ans là-bas. Et j'ai commencé à passer mes diplômes et j'ai plongé dans le métier. À Orléans. À Orléans. Voilà. Et là, vous faites entraîneur-joueur, c'est ça? Voilà, entraîneur-joueur la première année et tout. DH. DH, mais DH à l'époque, DH c'était 4e division. Voilà, j'ai mis les pieds dans le plat pour me lancer. Donc à vous écouter, vous étiez déjà dans, assez jeune, vous étiez déjà dans l'optique de devenir coach de demain. Ouais, parce que déjà avant de partir de Lyon, je m'étais occupé de l'équipe senior de l'UGA des Signes, parce que j'étais copain avec Djorkaeff, tout ça, et Choqué. Toute sa famille était... il vendait des fringues là pas loin de chez mon père qui tenait sa petite entreprise. Et donc pour les aider, il m'avait demandé de m'occuper des gars. Alors j'y allais de temps en temps. Là, j'ai toujours, dès que j'étais libre, après à Bordeaux pareil, je m'occupais d'une équipe en dehors de mes heures d'entraînement. J'ai toujours voulu m'occuper d'équipe. Et je pense que ça m'a rendu service parce que je m'occupais plus de seniors que de jeunes. Et par exemple, le UGA des Signes, c'était pas de la tarte, hein. C'était des mecs de caractère. À l'époque, c'était 100% arménien, donc des mecs passionnés. Donc il fallait. Pour moi, c'était un bon apprentissage. Et comment se passe le. Donc vous faites deux ans à Orléans. Ouais. Et comment se passe le retour à Montpellier? C'est Louis Nicolin qui vient vous chercher? Ben oui. Ouais, il m'appelle, c'est l'année où l'équipe est montée en CFA. Et il me demande de venir bosser avec lui. Bon, l'aventure a commencé là, c'était en 76. 76. L'équipe monte, fait la finale. À l'époque, il y avait Est et Ouest en Méditerranée. Ils font la finale avec hier, où il y avait Nestor Combat, et Montpellier, où il y avait Dinalo. Donc ils gagnent et j'arrive pour gérer l'équipe en CFA l'année suivante. Entraîneur ensuite de 76 à 80. Ouais. Et vous partez ensuite en 80 justement à Saint-Dié. Saint-Dié à l'époque en D2, c'est ça? Ouais. Expérience de 2 ans. Ouais, parce qu'il voulait me faire travailler avec Firoud et j'ai passé une journée avec lui. C'était pas ma tasse de thé. Alors, je respectais le personnage, sa carrière et tout, mais travailler. Puis moi j'avais déjà pris l'habitude d'être souvent décideur que adjoint. Et là, donc, du fait de sa grande expérience, vous étiez plutôt le second entre guillemets que ouais, le voilà. Leader. Et ça, non, puis j'avais pas sa philosophie quoi. Donc j'ai discuté beaucoup avec lui. Vous savez, j'ai dit non, je préfère m'en aller. Donc je suis parti à Saint-Dié. Encore une aventure où il fallait tout faire. Mais je suis surtout parti à Saint-Dié parce que le président de Saint-Dié, au travers de nos matchs, était ami aussi avec Nicolas, et Nicolas me l'avait présenté, et il y avait une bonne accroche, quoi. Donc pareil, il y a des conditions, une ville un peu plus grande que Gueugnon, mais une ville, quand vous connaissez Gueugnon et Saint-Dié, vous pouvez aller de partout. Hein. D'accord. Mais moi j'ai pris du plaisir, parce qu'il y avait tout à faire, je suis arrivé là-bas, il y avait une tribune, on a tout transformé avec les supporters, on a créé des bureaux,
des salles de réunion, des salles où pour mettre les équipements. On a fait évoluer le club, non seulement sur le plan sportif, mais sur le plan des infrastructures, mais pas seul. Un peu comme ça se passait à la Payade, je veux dire. Vous êtes un bâtisseur, en quelque sorte. Voilà, c'est... quand vous arrivez à créer ça et à connaître ça, je pense que c'est pas évident, mais ça rend service pour le restant. Parce qu'après, quand vous arrivez dans des clubs où tout est en place, c'est le paradis, quoi. Je veux dire, vous appréciez parce que vous savez ce que vous avez connu avant. Et ceux qui attaquent de suite dans le paradis, elles n'ont pas toujours l'unité de mesure. Quand vous avez des difficultés, où il faut aller chercher les choses, il faut trouver, avoir beaucoup d'idées pour compenser le manque d'argent, de moyens et tout. Donc voilà. C'est bon. Puis moi, je suis revenu à Bourges avant. Ah oui, Bourges. Ouais, Bourges. Alors pourquoi déjà avoir quitté Saint-Dié au bout de 2 ans et pourquoi avoir quitté Bourges que, Et si je vous coupe Bourges un des deux parce que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire à Saint-Dié. Puis je peux dire que la qualité de vie vis-à-vis de ma famille, c'était limite, quoi. Donc j'ai préféré arrêter. Bourges, pourquoi? Parce que je recherchais, ils m'ont fait confiance, donc j'y suis allé. C'était un D2 ou un D3? D3. Moi, j'avais pas de complexe de ça. Je rencontrais les gens, je discutais avec, il y avait déjà cette approche qui m'intéressait. Après, Bourges... Pareil, hein, toujours des clubs où il faut faire beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais ça, c'était ma marque de fabrique. Comme j'étais joueur, j'ai débuté entraînant de la même manière. C'est-à-dire plus un bâtisseur, un courageux, un volontaire qu'un mec qui avait la classe, la technique au-dessus de la moyenne et tout. Donc, il a fallu toujours que je m'en sorte par beaucoup de travail. Et ça me gênait pas. Ça gênait seulement ma vie de famille, quoi. J'ai pas vu grandir ma fille, tout ça. Ça, je me rattrape avec les petits-enfants, maintenant. Vous le regrettez au jour d'aujourd'hui? Ah oui. Pas ce que je faisais, mais le fait de pas avoir donné un peu de mon amour à ma fille, à m'occuper d'elle. Des fois, de temps en temps, elle me balance des vannes. Quand elle voit que je m'occupe de ses enfants, elle dit, tiens, j'aurais aimé que tu fasses ça avec moi. Voilà. Mais bon, c'est... un peu macho sur les bords. Considérer que ça, c'est le problème de l'épouse, pas du mari. On est con, hein, quand on est... Mais parce que j'étais obsédé par le boulot, moi. C'était... Comme je faisais quelque chose qui me plaisait, il n'y avait pas de limite. Et la vie de famille passe à côté, du coup. Hein? Et la vie de famille passe à côté, du coup. Ouais. Bon, ça va, je m'en rattrape bien. 83-85, retour à la Payade. Ouais. Et il me semble que c'est à cette période-là que vous lancez un certain Laurent Blanc. C'est vous qui le lancez en deuxième division. Ouais, ça a commencé comme ça, ouais, avec eux. Les premières promotions de bons jeunes, quoi. Ouais. Parce qu'il fallait voir les débuts du centre de formation à Montpellier. Les frères Passy. Dans des Algeco. À la Mosson, vous êtes pareil, quand on l'a construit ce stade, avec les supporters, avec les dirigeants, tout, je veux dire, c'est des aventures inoubliables, ça. Alors, c'est bon, pour vous ça avez que... les yeux qui pétillent quand vous en parlez. Bah oui, parce que c'est des moments merveilleux, quoi, je veux dire. C'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte de cette philosophie qui existe depuis tout le temps ici, par rapport à la même famille. Et la volonté de toujours, quand on cherche à recruter un éducateur ou un gars dans les bureaux, on cherche de suite à voir s'il n'y a pas un ancien qui serait intéressé. Il faut que ce soit un mec du Serail. Voilà, c'est d'abord pour dégager la confiance et ensuite pour confirmer la philosophie du club. De 85 à 87, vous occupez de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Et je vais vous sortir une date, vous allez me dire si elle vous rappelle quelque chose. Le mois de septembre 1986. Septembre 1986, alors non, pas du tout. Alors, je vais vous expliquer. Ce jour-là, il y a un Lyon-Guignon qui se prépare. Et juste avant la rencontre, hein, il y a le gardien Topalovic, ouais, qui se fait porter pas là. C'est Franck Priou, du coup, parce que vous n'aviez pas de gardien remplaçant, qui joue à sa place. Et vous gagnez 7-1.
Vous en souvenez pas de cette rencontre? Là, j'étais pas là. Si, 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 si. Si, vous y étiez. Moi, je me souviens qu'on en a pris 7 contre Sochaux, quand j'étais entraîneur de l'OL. Mais non, j'ai bien regardé les archives et vous aviez eu. J'ai mis 7 buts en étant entraîneur de Lyon. Ouais, contre Lyon. Franck Priou avait été gardien exceptionnellement parce que ça s'était passé une heure avant le match. Et, vous, Franck, et oui, vous aviez gardé une grosse rancœur envers Topalovic. Je me souviens pas. Qui n'avait plus joué, d'ailleurs, après cette. Cette fausse blessure, soi-disant. Vous avez fait un même malaise de diplomatie. Et vous aviez lancé Christophe Breton, je crois, ça passe. Ouais, si, c'est ça. Ah, moi, j'avais assez de personnalité vis-à-vis de qui que ce soit parce que je défendais. Moi, pour moi, en dehors de mon métier, de gagner des matchs ou autre, d'entraîner les gars, j'allais au combat pour l'institution. N'importe le club où je me trouvais. Je voulais faire comprendre aux gens que ce qui comptait, c'est le respect du club. Et ça n'existe pas tout le temps. Voilà, alors, bien sûr, vous arrivez à avoir des conflits quand il y a des moments où il y a des joueurs avec certains égos qui croient que si vous laissez faire, vous êtes mort. C'est bizarre que vous ne vous rappeliez pas de cette anecdote tout le monde. J'aurais préféré me souvenir de celui-là que de l'autre. On en a pris 7, putain. Et c'est à cette période aussi que vous lancez, si je ne me trompe pas, Rémi Garde, ouais. Bruno Genesio. Ouais. Vous lancez une belle génération de jeunes Lyonnais. Des bons jeunes, Laurent Fournier, Durix, une bonne équipe. On a failli monter, on a loupé la montée. Contre deux années, le Mulhouse de Domenech. Deux années de suite, Mulhouse et Cannes. On a loupé limite, quoi. Et j'étais le premier entraîneur de Jean-Michel Aulas. Oh putain. Et comment ça se passe après? C'est lui qui vous dimanche ou c'est vous qui partez? Et c'est Monsieur Papas qui vous remplace. J'avais connu là un président super, un père de famille, Charles Miguérian, mais malheureusement il n'avait pas les moyens et il a eu l'intelligence de comprendre qu'il y avait d'autres personnes. Et un jour il y a Tapie dans une émission qui s'appelait Ambition à l'époque qui balance la vanne d'Olas. Donc le lendemain dans les journaux on a vu que ça. Donc on a fait une rencontre avec Miguérian et Aulas au club. Et moi j'y tiens, la jeunesse et l'expérience, lui il avait des moyens. Donc voilà, c'est peut-être une bonne chose. Mais après je me suis rendu compte que ça allait être difficile de bosser avec lui. Quoi. Voilà. Puis parce qu'il ne m'avait pas choisi. Toujours pareil le problème. Et un jour, j'ai pas mis dans la composition d'équipe Kabongo. Eugène Kabongo. Ouais. Il est venu me voir pour le remettre. Il dit, il y a marqué pigeon là. Je dis, vous savez, je veux dire, président, si vous voulez, on va faire quelque chose. Venez avec moi dans la salle, c'était juste avant la causerie. Et si les joueurs, on leur pose la question, est-ce que vous voulez remettre. Si les joueurs disent, ok, on veut que vous le remettiez. Les joueurs ont été contents de votre départ d'ailleurs, à cette époque-là. Tu parles, il a dit, non, je sais pas, on a perdu, et le lendemain, j'ai été viré. Mais c'était un soulagement parce que. C'était pas mon truc. Voilà. Je reconnais que c'est un grand dirigeant, mais l'homme, c'est pas la même chose. D'accord. Après, direction le stade Malherbe. Ouais. Et là, c'est l'époque des Anglais avec Brian Stein, ouais. Graham Rix. Ouais. Et les fidèles, les Christophe Poel, Yvon Le Bourgeois. Vous avez gardé un bon souvenir de cette période canaise? Ouais. Ouais. C'est un environnement footballistique. En plus, on avait un stade. Qui correspondait. On a été allé faire une tournée en Angleterre et après je me suis un peu inspiré de cette tournée et on avait développé beaucoup le pressing et ça nous a rendu service parce qu'on n'avait pas une grosse équipe et on s'en était sorti à deux matchs de la fin quoi. Et c'était pas évident mais quel plaisir, hein. Le public, les joueurs, tout vraiment, puis une région agréable, c'était bien. Et dans cette équipe il y avait d'ailleurs beaucoup de joueurs qui sont devenus entraîneurs. Je pense à Philippe Montagnier, à Hubert Fournier et à Rudy Garcia. Ouais. Et Grand Prix aussi entraîneur. Et Franck Dumas. Ouais. Bon souvenir donc de cette période canaise. Ah ouais. Pourquoi à la preuve, j'ai encore beaucoup de contacts avec les gars que vous venez de citer, là, il n'y a pas de problème. Hein. Et pourquoi en être parti alors? Hein? Pourquoi en être parti alors? Ben, parce que j'ai été viré. Ah, vous avez par M. Fiollet à l'époque, le président? Ouais, parce que. Là, pareil, il y a eu un peu. Le président, il avait. C'est un bon mec, c'est Fiollet, c'est un bon mec, mais
Il avait été monté un peu au-dessus de... Il a voulu péter au-dessus de son cul à cause de Jean-François Domergue, à qui je lui avais dit sincèrement, écoute Jean-François, tu restes dans l'effectif, mais je vais prendre un arrière central. Donc si tu trouves un club, tu peux partir. Mais au départ, vous serez tous les deux à égalité, toi et l'autre, le meilleur joueur. Et ça, il a mal pris, et il a fait venir Jean Dupeux. Donc il a influencé Piolet, puis dans une période difficile, voilà. Voilà comment ça s'est passé, quoi. Et je crois qu'un an ou deux après, Caen s'est qualifié pour la Coupe d'Europe. Ouais. Bon, après, il y a eu une arrivée de joueurs un peu au-dessus. Oui, il y avait Calderon, Gravelin, Paya, une belle équipe. Non, mais Jean Dupeux, c'est un mec. Ils avaient fait du bon boulot. La preuve, hein, ils sont toujours là. Hein, et ils n'ont pas des moyens extraordinaires. Hein, mais il y a un environnement favorable au football là-bas. C'est bien. Ensuite, vous retournez à Montpellier ? Ouais, mais dans un autre rôle. C'est ce que j'allais vous dire. Manager. Et vous vivez quand même de l'intérieur, la Coupe de France en 90 et la fabuleuse aventure en Coupe d'Europe. Voilà. Non, puis c'était un boulot qui me correspondait bien. J'aimais bien. C'est toujours pareil parce que j'aimais bien toucher à tout, puis bosser, c'est toujours pareil. Quand vous faites des métiers de passion, vous passez beaucoup de temps au boulot, donc vous gérez beaucoup de choses. Et ça me plaisait, quoi. Quel est le souvenir le plus marquant que vous gardez de cette Coupe des Coupes 90-91? Si vous deviez en ressortir un, ça serait lequel? Ben, le but que Barabé a pris... contre Manchester. Voilà, c'était dommage, quoi, ce truc-là. Vous ressortez quand même le côté négatif plutôt que tout ce qu'il y a eu avant, bah, le PSV Eindhoven. Vous me demandez un truc. Oui, oui, non, mais c'était dommage parce que je pense qu'on méritait mieux, quoi. Vu le match aller qu'on avait fait, voilà, mais bon, ils étaient plus forts. Mais le football. Ils ont gagné d'ailleurs cette année la Coupe des Coupes. Vous êtes sûr qu'ils l'ont gagné? Contre le Barça en finale. Ah putain, je m'en souviens pas. Ils éliminent le Legia Varsovie après, je crois. Et en finale, ils battent le Barça de Johan Cruyff. Putain, moi j'ai 74 plus, j'ai du mal. Semaine 1, moi, et les mecs sont obligés, je leur dis envoyez-moi un email hein, parce que j'oublie les trucs. Hein. Incroyable. Ensuite, la Côte d'Ivoire. Ouais, alors c'est la première fois que vous devenez sélectionné. Là j'étais là, bon là. 96 à 98. J'arrivais un peu. Il y a une période difficile à Montpellier. Et j'ai eu cette proposition. Je me dis pourquoi pas, et je suis allé, voilà. Donc j'ai débuté un autre métier, quoi, que je regrette pas, hein, parce que vraiment, c'était, surtout au Côte d'Ivoire, qui était à l'époque, et toujours, je pense maintenant, à part l'Afrique du Sud, un des pays africains les mieux organisés footballistiquement. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, et paf, il y a eu... un concours de circonstances avec Gérard Soler qui m'a demandé de revenir bosser avec lui. On s'était connu ici quand j'étais manager, lui travaillait pour Jean-Claude Darmon. Il regrettait toujours de travailler un peu en dehors du terrain, quoi. Il avait toujours, c'était un des gars de la génération Platini, un des rares qui n'avait pas eu une responsabilité technique dans un club pro. Il faisait la pub pour deux. Et on en parlait souvent, on est devenus copains, tout, nos femmes s'appréciaient. Et... Donc quand il a trouvé cette occasion avec Bompard de venir à Saint-Etienne, et ils ont d'abord sauvé le club de la descente en national. Et après il m'avait dit, si on sauve, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Donc, et je suis arrivé à Saint-Etienne. Champion de D2 ? Hein ? Champion de D2 ? Ah non, mais là c'est extraordinaire. J'en ai connu des contextes, hein, mais Saint-Etienne, c'est quelque chose à part. D'abord dans le chaudron. Mais quand vous regardez les matchs à Saint-Etienne, vous voyez marqué ici, c'est le chaudron, c'est moi qui l'ai marqué. Ça. C'est vrai, je m'en rappelle. Ouais. Quand les joueurs, enfin, juste avant de rentrer sur le terrain. Oui, c'était pour mettre en valeur le rôle des supporters. C'est particulier. Bon, sur le terrain et dans la ville. La ville, ça parle que de football. Et vraiment, c'est... Là, j'ai vécu... Bon, c'est vrai que tout a réussi. Hein. On est parti dans une période, on a attaqué par une vingtaine de matchs sans perdre.
avec une philosophie de jeu plus pour gagner que pour pas perdre, avec une équipe, j'ai rarement constitué une équipe aussi complémentaire. Il y avait des guerriers dans cette équipe-là. Des guerriers, mais des bons joueurs. Et aussi, il y avait à chaque poste le mec qu'il fallait et le mec qu'il fallait à côté, à droite ou à gauche. On avait tout. Le distributeur de jeu, le centreur, le pivot, la vitesse, le mec bon. Enfin, on avait tout. Je me rappelle bien cette période avec les Kader Ferraoui, les Gilles Leclerc, Nestor Subia, Guillaume. Non, Gilles, c'est après. C'est après Gilles, hein? Non, je parle de la première année, là. D'accord. Après, c'est quand on est monté. Patrick Revalla. Hein? Patrick Revalla. Ouais. En attaque. Hein. Est-ce que... Alors là, c'était un truc... Ah, puis quand tout réussit, putain, t'arrivais, on avait la côte avec les supporters, la côte avec les médias, on avait de l'argent, le stade, il était plein. On se trompait pas dans les recrutements et tout. On se régalait, on prenait du plaisir. Ah, putain, je me souviens, mon père, il arrivait le jeudi soir. Il arrivait le jeudi soir, parce qu'il travaillait à Paris. Il arrivait le jeudi soir et on allait faire une bouffe, on discutait un peu, mais il y avait du plaisir, quoi. Il n'y a pas de soucis. Parce que... Il commençait à avoir des soucis quand il a déménagé, qu'il est arrivé à Saint-Étienne tout le temps. Est-ce que vous pensez, avec le recul, que cette équipe de Saint-Étienne de Ligue 1, quand il y a eu les arrivées d'Alex et d'Aloysio notamment, c'est la plus belle équipe que vous avez eue sous la main en tant que technicien? Ah non, moi la plus belle équipe, c'est celle de la première année, parce qu'elle était vivante, complémentaire et tout, avec des joueurs moins spectaculaires qu'après, avec les Brésiliens et tout ça, mais la plus belle, c'était celle-là, parce que c'est celle qu'on a le mieux réussi. En faisant un recrutement rapide et tout, hein, avec des connaissances. Et ça a marché de suite. Et ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Et arrive cette affaire des faux passeports. Ouais. Donc justement, Alex Aloysio, Levitsky, le gardien ukrainien. Ouais. Est-ce que vous pensez que sans cette affaire, Saint-Étienne, avec vous, aurait pu avoir vraiment une destinée européenne? Bah, c'était parti pour, mais en dehors de cet aspect-là, je pense qu'on a gâché le relationnel humain. L'amitié qu'il y avait entre mon père Gérard et moi, elle a été gâchée par cette connerie et par la volonté de Gérard de changer de rôle. C'est-à-dire gâché, c'est-à-dire que c'est irrémédiable même aujourd'hui. On était trop amis pour en arriver là, quoi, je veux dire... Le fait que le président vienne toute la semaine au stade, dans son bureau, et qu'il se rende compte que ça marche tellement bien qu'il a besoin, il a plus rien à foutre, il n'arrêtait pas de trouver des choses pour emmerder tout le monde, quoi. Et donc Gérard. Et Gérard en a eu tellement marre qu'à un moment donné, il a voulu prendre ma place. Et je suis tombé sur le cul. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est cassé. Voilà. Et un jour, il m'a fait venir dans le bureau, il me dit il faut que tu changes tes adjoints. J'ai dit quoi? Ouais, parce que. Il dit tu me dis ça pourquoi? Ouais, parce que je voudrais pas que tu. Que les gens crient nous arrêts d'émission. Je dis pourquoi tu penses? Non, je parle pas de ça. On est dans une période difficile. Et j'ai dit tu veux que je préserve ma place à Saint-Étienne en te disant. Je fais partir mes adjoints et tu vas en mettre d'autres. Les adjoints, c'est moi qui les avais choisis. Donc j'ai dit non, moi, je change pas mes adjoints, je suis très bien comme ça. Il dit mais tu es fatigué et tout. Je dis non, je suis pas fatigué, moi je suis en pleine forme. Et donc à la suite de ça, il a convaincu Alain Bompard de passer à autre chose. Quoi. Et c'est Jean-Guy Valem et Rudy Garcia qui vous ont remplacé? Non mais Jean-Guy, je l'ai eu lui, en tant que joueur. C'est pas Jean-Guy Valem et Rudy qui m'ont remplacé, c'est d'abord Gérard. Ah d'accord, j'ai oublié ça. Un match, qui perd 1-0, et dans la tribune, les supporters, ils ont mis « Jésus a eu son Judas, Robert a eu son Gérard, son Solaire et tout. » Parce qu'il m'avait trahi, les gens avaient compris, quoi. Tout ça pour... Et c'est ça que je regrette le plus, parce que on était comme ça. On partait en vacances, tout, je veux dire, jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour je puisse avoir ce problème avec le président et Gérard, et surtout Gérard. Est-ce que vous êtes réconcilié depuis ou pas du tout?
Oh, c'est pas réconcilié. J'ai essayé plusieurs tentatives et ça n'a pas marché, alors que c'est lui Qui était l'instigateur qui de est vrai tout que ça. moi. D'ailleurs, ça a failli. Il était au Maroc et il avait fait une proposition pour venir au club d'El Jadida, où on a quelqu'un qui bosse pour nous au centre de formation. Et là, Nicolas, il a pris le téléphone, il a dit à Solaire, le patron, c'est nous arrête, donc tu viens pas. Parce que lui aussi, il en avait gros sur la patate de ce qu'il m'avait fait, quoi, puisque je lui racontais tout, on se voyait et tout ça. Et c'était pas bien, quoi. Et ça a tout gâché, non seulement le relationnel entre potes, mais l'équilibre du club. Qui est Ouais, c'est salué. l'histoire de faux passeport, c'est des mauvaises idées de Gérard Solaire, c'est des conneries, quoi, des trucs comme ça. Il faut être barjot pour. Mais il faut aussi se poser la question pourquoi le président a accepté ça. Mais ça a concerné plusieurs clubs à l'époque aussi. Il y avait Metz avec Farid Mondragon, il y avait Monaco avec Pablo Bah, Contreras, ça a surtout surtout touché Saint-Étienne. Saint-Étienne. C'est C'est-à-dire vrai. que, à partir de là, donc Solaire, il a resté un match, et après ils ont fait venir. Ben oui, je crois que c'est Jean-Guy et Et Rudy Rudy. Garcia, là. Et après, ils pouvaient pas fonctionner tous les deux parce qu'ils n'avaient pas la même philosophie. Et Et Saint-Étienne après, il avait a eu fait 6 points de venir pénalité également. Toshack, tu Jean crois? Toshack, le Voilà. Gallois, qui est resté quelques matchs. Voilà. Oui. Fiasco. Enfin, bon, on a tout gâché pour des problèmes d'ego, des problèmes de jalousie, des conneries, quoi. Parce que bosser dans un environnement comme ça, c'est formidable. Ensuite, Toulousain. Ouais, alors là, Toulouse, j'avais pas fini de respirer que Kouikou m'appelle et je crois qu'ils avaient dû tomber amoureux de moi par rapport à ce que j'avais fait à Saint-Étienne. Ils voulaient absolument que je vienne. Moi, je trouvais que c'était trop tôt, en plus, c'était en difficulté. Bon, il a tellement insisté que par respect, j'ai dit ah, ok. C'est vous qui avez opéré le recrutement sud-américain de cette époque ou pas du tout? Non. C'était lui. Mais ça, j'y arrivais en cours de route. Donc après, je me souviens plus, on a fait venir deux ou trois gars que j'ai Il y avait choisi les aussi à Montpellier, propos de. il y avait Bruno Carucci, Ouais, il y a Rouvia qui est Jean-Christophe venu. Rouvière, Ouais, Alcarta. ouais. Il y avait une belle petite Ouais, équipe pourtant. ouais. Donc c'était pas mal aussi. Toulouse, Mais bon, on a fini 12e de notre parcours au moment où on a pris Toulouse, mais c'était pas suffisant pour Pour se s'en sortir. maintenir. Ouais, De la Bastia, avec Ouais. une épopée en Coupe de France. Ah ouais. Ben ça, là, j'ai toujours trouvé des contextes incroyables. Ou alors ça devait correspondre à mon tempérament, et les gens aimaient peut-être mon tempérament et tout. Et voilà, ben c'est aussi c'est une aventure qui a été trop courte. Pareil, parce que au bout d'un an, on avait fait une super saison, on s'était sauvé. L'équipe avait été changée presque à 80%. On a fini 11-12e, on va en finale de la Coupe de France, qu'on perd à cause de moi. J'ai fait une composition d'équipe sentimentale, et j'ai fait une erreur. Et puis j'étais en train de préparer le recrutement, et un jour, on m'annonce qu'on ne voulait pas tel joueur, mais tel joueur. À partir de ce moment-là, j'ai dit stop. Moi, si vous commencez à choisir les joueurs, alors que c'est moi qui dois atteindre les objectifs, je préfère arrêter. Donc j'ai arrêté. J'aimerais revenir sur deux faits de cette période bastiaise. Le premier, c'est la demi-finale qui se fait à Furiani C'est contre Sedan. contre Sedan. Il y a Henri, Et l'entraîneur. exactement. Et il y a un moment particulier, c'est les 10 ans de Furiani, de la catastrophe de Furiani. Et il y a tous les joueurs qui se font l'accolade au rond central avant que le match débute. Et c'est pas prévu. Et il y a une minute de silence qui se fait dans le stade. À ce moment-là. Vous vous en rappelez de Non. ça? Vous en rappelez pas? Ah non, mais moi, putain, je suis vraiment vieux. Hein. C'est incroyable. Et moi, c'est pour ça, souvent les journalistes me demandent, vous n'avez pas une anecdote? Je me souviens de que dalle, moi. Alors si vous ne vous souvenez pas, je vais vous donner l'autre anecdote. Hein. Ça, je pense que vous allez vous en rappeler. La Marseillaise sifflée Ah pendant la oui. finale. Ah, celle-là, je m'en souviens, Où on ouais. voit un gros plan sur Jacques Chirac, le Putain. président de la République d'alors, Elle nous a tués, celle-là, ouais. qui s'en va, qui revient. Ah ouais, je m'en souviens. Alors ça, je m'en souviens. Ouais. Entre la compo d'équipe que j'ai fait et ça nous a tués.
Un petit mot sur un joueur qui m'avait marqué à cette époque et qui n'est pas resté longtemps en France, l'Argentin Damian Manso. C'était un sacré technicien, ce joueur. Vous en pensez quoi de lui? Ah, bah, c'était un super joueur, hein. C'était bien. Ah, ouais, je m'en souviens. Ouais. Lui, je m'en souviens. Puis un bon mec, à la différence d'Alex, par exemple, qui était un super joueur, mais était un vrai con, quoi. Comparaison à Losio, qui était un super mec. Senior. Mais c'est bien dans ce métier. On arrive à côtoyer toutes sortes de personnalités, de mentalités. C'est ça qui en définitive vous enrichit, quoi. Ensuite, retour en Côte d'Ivoire. De 2002 à 2004. Et si je ne me trompe pas, c'est juste avant qu'il y a eu un échec de la sélection ivoirienne en Coupe d'Afrique. Ah ouais, puis ils les ont emmenés dans un camp militaire. Là, je me souviens, ouais. Vous étiez là, c'était pas là, c'est juste après que vous êtes arrivé. Ah non, non, j'étais pas. Non, ils sont revenus du Coupe d'Afrique. Ouais, ils les ont mis à Yamoussoukro, là, au camp militaire que je connais d'ailleurs. Ouais, mais à l'époque, il y avait. Et à la tête du pays, là, il y avait un Barjot, là, c'est Guy, là, je sais pas quoi. Un mot sur cette sélection ivoirienne, à l'époque, il y avait les Cyril Gomoro, les Bakayoko, Diabater. La deuxième variante, j'ai eu une sacrée équipe. J'ai fait débuter Drogba et tout, c'était vraiment. Bon, il est arrivé dans une poule, ça a été rapide, à 3 au lieu de 4, avec l'Afrique du Sud et le Burundi. On a battu le Burundi deux fois. On a fait nul contre l'Afrique du Sud chez nous le premier match, on n'était pas prêts. Et on a perdu 2-1 chez eux au match retour. Bon, on ne s'est pas qualifié. C'était dommage. Mais il y avait des bons joueurs. C'est parti de la génération après. Mais malgré tout, ils ont toujours pas gagné jusqu'à il y a combien, 2 ou 3 ans, ils ont gagné. C'était les ethnies qui faisaient la différence dans ce pays. Différence d'ethnie entre les joueurs, entre les familles, et ça posait des problèmes. C'était dommage parce que c'était un pays qui aurait dû être capable de gagner même une Coupe du Monde. À ce point ? Ouais. Et puis parce que les dirigeants étaient en avance sur beaucoup d'autres, quoi, au niveau des pays africains, au niveau de l'organisation, comparativement au Cameroun, quoi, où c'est un vrai bordel, mais. Heureusement, ils ont des super joueurs aussi, avec beaucoup de personnalité. La Côte d'Ivoire, dans ce domaine, était plus fragile. Mais au niveau de l'organisation, c'était top niveau, c'était comme un pays européen, quoi. Puis la qualité de vie, c'était bien, même si chaque fois que j'ai été dans ces pays, il y avait toujours un problème quelque part. Mais bon, ils vivent avec ça. Retour à Montpellier ? Par la suite, hein. Ouais, alors là c'est la plus grosse connerie que j'ai faite. Mais j'ai cédé à la volonté de Loulou, quoi. Parce qu'il il m'a tellement donné l'impression d'avoir besoin de moi que je suis quand même venu, et là j'étais pas prêt. J'avais eu des problèmes familiaux en Afrique, ça se passait, j'avais la tête à l'envers, et j'étais pas le Mouzaré habituel, et ça s'est mal passé, quoi. D'abord, on n'a pas sauvé l'équipe. J'ai fait confiance aux jeunes, j'aurais dû faire confiance aux anciens. Ben ça, vous le savez après, vous ne le savez pas avant. Et puis, c'était toutes mes périodes à Montpellier, j'y étais pas, quoi. J'y étais pas, et après, Lou s'en est rendu compte, pourtant je lui avais dit, mais moi, pour lui, j'aurais fait n'importe quoi, quoi. Donc, mais j'ai fait une connerie. D'abord pour moi, et puis surtout pour le club, quoi. Hein, parce que après, on est descendu, et pour remonter, c'était pas évident, quoi. Ça, j'ai regretté. Ça m'a gâché tout ce que je pouvais faire, tout ce que j'avais fait dans ce club-là, quoi. Et ensuite, des expériences Mouloudia d'Alger, avec la Guinée, et la République démocratique du Congo. Mouloudia d'Alger, après la Guinée. Et alors, Mouloudia, super. Je suis régalé. Mais là, pareil, les dirigeants, mais bien, je me suis regardé avec les joueurs, avec les médias et tout, t'inquiète. Et Conakry, la Guinée-Conakry, super. Voilà, je suis tombé, par contre, sur des dirigeants, un président extraordinaire.
vraiment bien. Et puis des bons joueurs. J'avais une ligne d'attaque avec Fainduno, Mansaré et. Putain, comment il s'appelle l'attaquant qui est allé à Nantes après là. Oh putain. Et les trois attaquants, enfin, c'est vraiment bien. Bon, on est allé en quart de finale de la CAN au Ghana. Mais c'était. J'étais allé avec un staff avec 7 blancs. Vous vous rendez compte? J'ai fait un staff de 7 blancs. Je me rappelle quand je suis arrivé à la RDC, le président de la RDC, il était à la CAF là, et il était au Ghana, là, il m'a fait le roman, il m'a dit mais comment est-ce possible que même un blanc portait les sacs de ballon? Les blacks sont pas capables de porter les sacs de ballon. Par contre lui c'est un charlot, lui, alors lui je suis parti, il m'a dégoûté. Hein. Ouf, tu veux... Pourtant là-bas, quelle puissance ce pays, quelle... Mais pareil, il me contacte 6 ou 7 mois avant que ça commence, et il m'a fait venir un mois avant que ça commence. Donc à Perlor, c'était bien une nationalité africaine au niveau des joueurs que je ne connaissais pas. Putain, alors il offre. Et en plus, le premier match qu'on fait pour la CAN, on rencontre le Sénégal qui était top niveau à cette époque-là. Putain, on perd 4-2 à Lubumbashi là. Putain. Là aussi j'ai manqué de flair. J'aurais dit bon, je suis pas prêt. Je fais pas une équipe nationale. Je fais une équipe nationale avec le TP Mazembe. Parce que le TP Mazembe était champion d'Afrique. C'était Garzito l'entraîneur. Diego Garzito. C'était un pote à moi. Et j'aurais dû faire une équipe nationale avec eux. En plus, on jouait sur leur terrain. Et les trois étrangers qu'ils avaient, je prenais trois mecs. Et je suis sûr que ça serait mieux passé. Ça m'aurait donné du temps. Pour préparer après. Vous aviez l'ancien Stéphane dans cette équipe, il me semble, Rita Ilunga, qui jouait avec la RDC. Sur nos arrêts, 60, vous avez 75 ans, vous nous avez dit tout à l'heure. Je vais avoir 75 en septembre. Ouais. Qu'est-ce qui vous pousse encore à être là? C'est l'amour du ballon, c'est l'amour la passion. De la famille Montpellier. Bon, c'est Nicolas quand même qui m'a. Il devait se rendre compte, parce que j'allais souvent le voir, on masse tout ça, et chaque fois qu'on allait le voir, on discutait, qu'on faisait ci, on faisait là. Et un jour, je crois qu'il était en colère après le centre de formation. Il dit, Robert, fais-moi plaisir, restructure-moi la cellule de recrutement du centre. Alors, j'ai dit, ok, pas de problème. Et bien m'en a pris parce que je m'en régale. Quoi. Alors, putain, là, vous n'avez pas de stress. Hein. Il y a du boulot, mais vous n'avez pas de stress. Pas savoir, quelle heure les joueurs vont arriver. Celui-là, il a mal à la tête. Celui-là, il s'est engueulé avec sa femme. Celui-là, il va pas jouer. Qu'est-ce que je vais lui dire? T'as gagné, t'as perdu, on est tout prof. C'est le choix la nuit. Parce que j'ai donné, ça me manque plus. Ça me manque plus. Même quand je regarde les matchs, je les regarde d'une manière différente. Le nouveau challenge de coach, ça vous... Non, fini. Stop. J'ai tout connu, ça me suffit. Tout coup, pour un mec comme moi, qui n'était pas... Je suis parti d'une carrière de joueur tout à fait simple. Et j'ai fait une carrière de coach... au-delà de ce que je pouvais espérer, avec des bons moments, des mauvais moments, tout, je me suis régalé. Je dis merci petit Jésus tous les matins, moi, sans déconner. Hein. C'est vraiment... je souhaite à mon pire ennemi de connaître ce genre de vie, parce que c'est... Le seul regret que j'ai, c'est... il m'a manqué quelque chose dans ma vie familiale, et heureusement que j'avais la femme que j'avais, parce que ça fait plus de 50 piges qu'on est ensemble, avec tout ce que je lui ai fait, la pauvre, je ne sais pas comment elle s'est pas barrée un jour. Hein. Elle vous aime, c'est vrai. Et pour terminer, M. Nouzaré, il me semble primordial de laisser un petit mot sur votre relation avec Louis Nicolet. Ben moi, j'ai l'impression qu'il est toujours là, quoi, je veux dire. Pour moi, il était... un personnage immortel, mais il manque quand même. Et j'ai surtout la satisfaction de voir que Laurent, il part sur les mêmes rails, c'est bien ça. Très bien. Ben, merci à vous pour ce très riche entretien, ça a été très agréable, et je vous remercie encore. Merci à vous, M. Zan. Au plaisir. Merci.